Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici c'est Dames Prono, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Pronostic foot et tennis gratuit tout le long de l'année. On poursuit notre aventure sur le championnat biélorusse et comme d'habitude, je vous demande juste le pouce bleu en contrepartie de vous proposer eh bien, des pronostics gratuits. N'oubliez pas, vous avez également ma page Facebook et Instagram où je publie tous les paris sportifs par photo qu'on joue ensemble. Pour moi, c'est une question d'honnêteté, tout simplement. Le week-end dernier, malheureusement, des bilans négatifs puisque voilà, j'ai donné plusieurs pronostics. Il y a une très belle cote à 3,35 qui est passée. Malheureusement, je ne l'ai pas joué. C'était un match nul. Mais voilà, donc on espère se rattraper ce week-end. De toute façon, c'est à la fin du mois qu'on fait les comptes comme d'habitude. Pour ce week-end, alors il y a deux matchs seulement le samedi. C'est assez rare, normalement il y en a plusieurs. Et ce sont des matchs qui ne m'intéressent pas. Alors, j'ai fait un combiné sur un match qui se joue demain après-midi et un match qui se joue dimanche. Mais très certainement, samedi matin, je vais vous proposer d'autres pronostics pour le dimanche, puisqu'il y a des matchs dimanche qui m'intéressent. On verra en fonction des résultats de demain. Donc, pour demain, c'est le leader qui reçoit BGU Minsk. Pour moi, les deux équipes vont marquer côté à 1,60. J'ai combiné ça avec la victoire de Beit Borisov. Dimanche, coté à 1,27, la cote est de 2,03 au bureau tabac, 22 euros de mise pour 44,65 euros de gain. Voilà, comme d'habitude, je vous dis, hein, gérez votre bankroll. Surtout, ne suivez pas ce qu'on peut faire comme publicité, misez 100 euros sur ça, c'est safe, etc. Vous le voyez bien, il y a beaucoup de cotes à 1,10, 1,20, 1,30 qui ne passent pas. Alors certes, moi je ne propose aucune cote à 1,50, inférieure à 1,50, sauf quand ce sont dans des combinés. Et là, c'est un combiné de deux matchs uniquement, pas plus. Pour moi, les deux équipes vont marquer. Hein, demain à 16h, le leader marque beaucoup de buts. Ce n'est pas fait. Je ne pense pas qu'ils vont gagner, ils vont, voilà, gagner tous les matchs. On sait très bien que BGU Minsk, c'est une équipe aussi qui joue assez bien. Même si voilà, le classement dans les premières journées ne veut rien dire. Ils n'ont même pas fait la moitié du championnat. Voilà, je ne pense pas que Beit Borisov va rester 3-4e. Voilà. Donc pour moi, c'est le combiné que je vous propose pour ce week-end, pour le moment, mais il y aura d'autres pronostics. Sur ce, eh bien, profitez si vous pouvez un petit peu du soleil parce que ça ne va pas durer. Ciao et à la prochaine.